Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 2 du Let's Play de Astérix Obélix, Bafiletous, en compagnie de Yut. Coucou. Donc, deuxième épisode où on poursuivait l'aventure sur l'acte de Astérix chez les Bretons. Donc, nous arrivions au village. Au village anglais, au village breton. Et nous étions où l'épisode où nous sommes au premier acte, hein, l'acte étant Astérix chez les Bretons, et le niveau 5. Donc à peu près la moitié, je dis à la louche parce que là... Donc on vient de se faire niquer le tonneau de potions magiques. Et donc du coup, on va devoir essayer de trouver une solution pour résoudre le problème. Et en l'occurrence, nos amis sans tonneau parviennent enfin au village où ils sont accueillis par le chef The Big Boss, qui est le chef du village évidemment breton. Et bien c'est parti. Alors si vous voulez plus de détails sur le jeu, je vous inviterai à aller voir le début de la vidéo dernière, où on a parlé de beaucoup de choses. Et en l'occurrence du prix du jeu, là où il était dispo, depuis quand il était dispo, et vite fait les touches. Donc on a présenté ça pendant une dizaine de minutes, donc je vous inviterai à aller le voir parce que sinon on va pas vous tout vous expliquer au fur et à mesure. Alors The Big Boss qui nous dit, ainsi, vous avez donc perdu la magique potion. Alors nous sommes finis, les Romaines Légions vont nous envahir. Ne désespérez pas par tout Atis, j'ai dans ma poche des herbes de mon village qui me permettront de refaire de la potion magique. Tu sais vraiment préparer de la potion magique, Astérix ? Qu'on m'apporte une marmite pleine d'eau chaude. Je dis, quel morceau de chance! Je rajoute les herbes et c'est prêt! Oh, c'est aussi simple qu'une recette de chez nous. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la Romaine armée. Allons-y, qu'il pleuve ou rayonne. Les Bretons ont bu la potion concoctée par Astérix. Il est temps d'aller montrer aux Romains de quel bois ils se chauffent. Exact. Allons voir ça. Quoi, aller directement dans le camp romain, non? La classe armoricaine. Alors, Yut a toujours Obélix, j'ai toujours Astérix. On va changer ça au prochain acte, je pense. C'est bon. Histoire de varier les plaisirs, comme on dit. Attention à pas crever, hein, comme vous avez vu, pour ceux qui ont suivi le premier épisode. C'est très compliqué de pas crever. On a réussi à pas crever, mais je peux vous assurer que c'était limite plus d'une fois. Enfin, en tout cas, on a fait que 5 niveaux, mais c'était limite. Ouais, c'est quand même un super coup, tu vois, quand je donne mon coup spécial pour taper le... Ça tape le plus fort, évidemment. Mais je crois que choper, c'est bien aussi. Il y a des dents qui volent. Je sais pas, ils ont combien de dents, les Romains, mais on voit bien que... 72. Bah, ouh. Non, peut-être qu'on leur pète toutes les dents, je sais pas. Bah, je sais pas, ouais, je vois pas leur sourire quand ils sont par terre. Il y a tellement de trucs à l'écran en fait qu'on n'a pas le temps de voir, effectivement. Ça y est, on rentre dans le camp là, je crois, là. Faut ouvrir la porte. Toc, toc, toc. Attention, on va rentrer. Poussez-vous, on sort. Genre de solde. Bah là, on est là. On en a pas eu besoin. Bah non, bah avant. C'est pas grave. Ça fait des points. C'est déjà un petit peu à l'ancienne où en fait on compte les points qui servent à rien, puisque, encore une fois, ça rentre dans le high score. Qui sera supprimé au reboot de la console. Non, pas à chaque fois, ça dépend des consoles. Ils sont costauds quand même, hein. Ouais. Enfin, des fois, tu vois, une bonne baigne. Ça, c'était le avant... coup spécial. Voilà. Bon, en fait, je trouve que courir pour les taper, c'est aussi bien. Tu as fait nous taper. Moi, je l'avais pas vu. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est que là, tu vois, il parle un peu, enfin, je sais pas s'il parle en français. Ça, c'est bim, bang, schlack, tu vois. Question, c'est que si jamais on passe le jeu en anglais, est-ce qu'ils parlent, ils disent aussi bim, bang, schlack? Ah, je suis pas sûr, hein, les onomatopées sont pas les mêmes, hein, d'une langue à l'autre. Bon, c'est bien, c'est pour ça que je sais pas. Alors, du coup, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de refaire le dessin, parce que là, en l'occurrence, c'est pas un texte, hein. Il y a pas de police, hein, c'est clairement une image, ça a pris un coup, là. Ouais. Si je prends un coup là, il va essayer d'en mettre un. Celui-là est résistant là, le moyen là. Ouais, ouais, le petit gros. Alors, il est pas gros parce qu'il y a pire. Alors, Obélix. Oh putain. Wow. Centurion versus Astérix et Obélix. Fight. Ah, on peut pas le choper. Ah. Ça fait toc. Toc mais en blanc. Mais s'il est tout seul, c'est pas un problème en vrai. Ouais, mais il est pas tout seul. Eh, par contre, attends, il faut le garder parce que s'il nous donne un coup de glaive. Parce qu'ils ont des glaives, enfin,
tout cas dans la BD, ils ont des... C'est pour ça qu'ils sont relativement faciles par contre, hein, c'est... On peut pas le choper effectivement. Je lui donne des coups spéciaux, ça marche pas. Hein. Ça c'est clair que... Enfin, ça marche pas, si, ça marche pas à chaque fois, mais... Mais... Alors fais gaffe à ta vie, parce que t'es descendu un petit peu là, quand même. Enfin, je vais taper... Ah, je vais mettre des coups durs, ouais. Ah, j'ai fait duc. Il y a de la vie. De la vie. Là. Ouais. Ah, il y a de la vie, ouais. Bah, prends-la. Ouais, c'était la vie de tout à l'heure. Non, c'est. Ah non. D'accord, non, ça vient d'apparaître. Ouais, il nous la redonne un petit peu, tu vois, heureusement, parce que sinon on était mal, je pense. Ah, j'ai pas eu le temps de. Ah, je suis. T'es mal niveau vie. Fais gaffe. Ouais, fais gaffe, ouais. Ouais, nickel. T'as bien vu, tu vois. Eh, c'est tendu, n'empêche, hein. Bon, c'est bon, il est mort, mais fais gaffe, on va mourir maintenant. Faut terminer les Romains, là, qui arrivent, là, quand même, là. Ils ont plus de chef, mais en général, ils se barrent, normalement, quand il n'y a plus de chef, dans la BD, mais... Là, ils restent, quand même, ils sont costauds, hein. Ils voient qu'ils vont mourir, mais... Ah, c'est bon. C'est pas des vrais Romains. Des Romains de BD. Eh ben, encore une victoire belle, n'est-il pas? Une victoire belle. Il fuit, bah, tiens, là, tu vois, il fuit, d'ailleurs. Victoire. Mission accomplie par Belenos. Et voilà, bah ça c'est fait. Bon bah c'était relativement facile, puisqu'on n'est pas mort. De retour au village de Jolithorax. Jusque là ça va. Oui, dès que ça va devenir un peu compliqué, on va mourir. Ça fait aucun doute. J'imagine, ouais, malheureusement, mais merci Styx, grâce à votre aide, nous avons vaincu les Romains. Oh, vous savez, ce n'est pas vraiment de la potion magique que je vous ai fait boire. Ah. Je m'en doutais, mais ce breuvage a donné courage à mes guerriers. J'en ferai la nationale boisson. Pour vous témoigner votre reconnaissance, nous allons faire un festin avec du sanglier bouilli. Et à l'Astérix, on rentre. sanglier bouilli. Mais c'est vrai que c'est pas formidable, le sanglier bouilli. Quoi. Donc voilà, le premier acte est donc terminé. On va donc passer au deuxième. Donc vous avez vu, ça a pris à peu près 27 minutes pour le faire. Nos victorieux Gaulois reviennent au village, Obélix espérant un magnifique banquet. En théorie, en général, quand ils reviennent, ils ont un banquet. En général. Comment ça peut banquer ? C'est Astérix et moi venons de finir une aventure et... Eh bien, vous tombez à pic, les réserves sont vides. Il vous faut chasser. C'est Bonne Mine qui dit ça. Mmh. Eh bien, soit. Ah bon ? Oui, les autres ne vous ont pas attendu pour faire la fête, il ne reste plus rien. Mais Mumine, eh bien, ça nous fera de l'exercice après 16 heures en mer. Nous avons besoin de nous dégourdir les jambes. Parfait. Si vous rapportez assez de sangliers, je pourrai célébrer votre retour. Eh bien, c'est parti pour la chasse aux sangliers. Après une courte marche, nos Gaulois arrivent enfin dans une forêt peuplée de bêtes sauvages. Ah bon. Alors, comment okay. Ça va se passer ? Ouais, c'est ça, faut. Bah, faut les taper, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est un niveau bonus, ça. Très bien fait d'ailleurs, c'est très bien, très très à l'ancienne pour le coup là. Ah, je plie un trophée, la piste des étoiles, je sais pas si tu la vois. La piste aux étoiles, pardon. Alors, peut-être que c'est parce qu'on l'a fait tous les deux, hein. J'imagine mal qui s'est différencié. Ouais. Que c'est toi et moi, je pense que c'est parce que. On a fait un sans faute pour le moment là. Ah, oh, il est dans. J'ai raté lui. Alors, ça faut éviter, je pense. Ouais. Parce que sinon, tu vois. Oh. Je sais pas si vous évitez ou pas, en fait c'est en rouge. Donc je m'inquiète. Ah oui, tu peux mettre des pains. Ouais, on peut taper en plus par-dessus, ouais. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais en tout cas je vais le faire. On peut sprinter aussi, t'as vu. Ouais, on peut sauter. Alors c'est pas forcément très dur, mais c'est marrant, on va dire. Ah si, oui, mais en fait faut que tu les éclates devant et derrière, moi je reprends aussi. Ça fait des points. Ah bah quand tu les éclates pas comme du premier coup. Ouais c'est ça. T'es gros tu vois. Il est aussi gros que Félix. Ah tu vois ça je sais pas s'il faut les défoncer ou pas en fait. Si ça fait des points. Ouais mais c'est en rouge. Ouais tu viens de dire où les autres sont en rouge aussi en fait. Oui. D'accord, ah oui c'est ça ouais, c'est bon on a l'astuce.
Là, il y en a beaucoup plus déjà, tu vois, c'est plus compliqué. Hein. Sachant que quand tu tapes, alors les viewers ils le voient pas, mais en fait on a beaucoup de mal à faire au bas. Hein. Là, je suis en train de taper, voilà, ça rentre. Dommage, j'ai pas le temps de vous montrer. Ok, bon. Phoenix, nous pouvons rentrer au village. Surtout qu'avec cette chasse. Surtout que cette chasse, pardon, m'a ouvert l'appétit. Voilà, mission terminée, j'ai une mission bonus, hein, clairement, parce qu'elle n'est même pas numérotée. Donc, okay. Ouais, c'est qu'à la fin qu'on a compris le principe. Astérix, Obélix et Idéfix retournent voir Bonne Mine. Allez, pour le banquet, du coup. Merci Astérix, Obélix, c'est parfait. Je vais pouvoir faire organiser un banquet pour vous tous, bande de gourmands. Chic. Tu m'étonnes. Même si on pourrait peut-être rajouter un peu de poisson au menu pour voyez un peu. Ah, ça sent mal. Le coup du poisson, ça, c'est toujours. C'est source d'embrouille, ouais. Ça. D'ailleurs, avec le retour des Romains, moi aussi j'aurais besoin de poissons frais pour la potion magique. Des sangliers, du poisson. Ça n'en finit pas, mais soit nous allons pêcher sur la côte. Ça nous changera des poissons pourris. Ça, tu vois, ça sent le. Eh ben voilà, les tu deux. Sais ce qu'il te dit, mon poisson pourri. Tiens, prends ça. Tenez, vous pouvez prendre mon bateau de pêche, je m'en servais quand j'étais gamin. Espérons que nous ne sommes pas partis pour une trop grande traversée. Oh regarde Astérix, des pirates! Vite, on embarque! Ah. Voilà, avant mission pêche, nos galère. Lois filent distribuer des marrons. Et ben c'est parti. Distribuons des marrons! Oui. Et ramenons du poisson. Ah, nous sommes toujours à l'acte 1, c'est étonnant ça, enfin, toujours à l'acte 1. 1-8. Tiens donc. C'est bien parce que le mât il bouge effectivement, on peut pas le casser, enfin, j'ai pas l'impression. C'est pas grave. Alors c'est bien parce que là c'est des pirates, c'est plus comme les Romains qu'on a eu déjà en galère à l'épisode 100. Oui. Ils ont des bonnes têtes de vache. Hey, il a une bonne tête de gros lui. On va peut-être le choper histoire qu'il nous. Il donne des daf. Attends. Tiens, on a fait tomber celui qui faisait le guet en haut là. Ah allez, ouais. Ah c'est pour ça qu'il faut taper dans les mâts, dans les. Hein, pour faire tomber la vigie. C'est ça. Attends, il en reste un, j'ai pas vu. Et bon, t'as pris cher aussi la joie là. Ouais. Tu vois, c'est un peu cheaté hein, ce qu'il fait ça. Hein. En gros, c'est pas illimité. Hein. Et bon, lui on l'a jamais vu, son laisse pirate. Hein. Celui là qui te ressemble là, celui là qui roule avec la hupette là. Lui on l'a déjà vu. Attends, je peux dater le mât pour voir s'il y a un mec qui tombe. Vas-y, je t'en prie. Non, il y a rien qui arrive. Dommage. Il est où le capitaine? C'est moi, il fait marrer le capitaine. Ouais. Par contre, on est toujours sur le Astérix et les Bretons en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ah, c'est l'acte 1. Ah, le gros on peut pas le choper. Ça fait poc poc poc. Ah non, peut-être que j'ai chopé le tronc, le mât peut-être. Non, le gros tu peux pas le choper. Tiens, mais bien coup. C'est moi, ils sont plus costauds que les Romains. Bah, c'est les pirates. Et bon, t'as ta vie toi. Oh, où tu vas là? Pourquoi t'as la moitié de ta vie? Je me balade. Alors heureusement que le bateau est pas très. Ouais, nickel, parfait. Tiens, voilà. Ah bah, voilà. Barbe rouge versus Astérix et Obélix. Allez, c'est parti. Ah, non, laisse-le revenir au milieu parce que sinon, il y a des chances que. Putain, et le coup qui t'a mis là. Ah oui, parce que. Putain, ah oui, mais des coups alors que. D'accord, alors attends, je vais faire venir au milieu, attends, parce que sinon, on va se faire choper. On va se faire avoir. Voilà. Alors, mais oui, mais dès qu'il s'enlève en fait, il met un coup, moi je. Ouais, bah c'est pour ça, moi je vais faire le. Il est dans les pommes. Attention, quand il va se relever, il va te mettre un coup. Tiens, j'ai réussi à le balancer. Regarde, dès qu'il se relève. Ouais, attention, attention. Putain, notre vie. Alors, attends. Oh putain, mais sans déconner. Alors, j'ai plus de vie non plus. Hein. Donc là, il faut vraiment qu'il meure en fait. Ah, mais sa vie est pas. Fais attention. Attends. Oui, vas-y, ouais, exactement. Ouais, il faut le terminer comme ça en fait. Tiens, j'ai pris un coup. C'est tendu. Voilà. Attention.
Oh putain, j'ai envoyé un coup. Oh putain, j'ai passé. Oh oh oh, bah cette fois non, c'est bon. Moi je suis à l'arrêt. Oh putain, et t'as vu David qui lui restait? Ouais, rien du tout. Là, donc comme quoi, c'est assez tendu. Et nous on est deux. Bon, c'est pas grave, après ça se fait assez rapidement, mais faut qu'on fasse super gaffe à ça quoi. Et c'est peut-être cette mission-là justement qui est quasiment impossible à faire. Et je pense que c'est, ouais, effectivement, le pirate quand il se relève, faut se barrer. T'as, j'ai déjà pris un coup sans déconner. T'es en train de les taper, j'ai réussi à prendre un coup quoi. Parce que je me dis que le barbe rouge, plus on le tue vite, moins il y a d'ennemis parce que ça arrive tant qu'il est pas mort. Oui, je me doute. Je me doute, mais le problème c'est qu'il faut arriver à l'allonger. Parce que là on lui a comme mis des coups, le problème c'est qu'il faut se barrer, effectivement, faut se barrer, en fait, faut sauter, faut se casser. Dès qu'on voit que. Et tiens, qu'est-ce qu'il faisait là, tu vois. En fait, il y en a qu'un, c'est pour ça qu'il tombe pas des autres, en fait. Donc non, il faut sauter, il faut se casser en fait. Dès qu'il est par terre, on saute et on se casse. Allez, moi je vais mettre l'autre chute là-dedans. Culte dessus à droite. Oh putain, j'ai pas un coup. Bon, c'est pas grave, si il y a que moi qui prends des coups, c'est pas grave. Putain, mais. Oh, il a mis un deuxième coup. Oh, putain, mais non, c'est pas possible. Mais il y a l'autre qui m'a mis un coup, c'est dans le dos. Ah, de ma vie, putain. Eh, il y a pas un gigot dans ce truc là, si je crois qu'il y a. Ouais, il y a un tonneau là. Je vais vérifier. Ouais, il y a un gigot. Nickel, voilà, c'est bon, je suis refait. Bah, tant mieux que ce soit moi qui ai pris tous les coups en fait. Oui. Alors, on va essayer de tirer un petit peu les coups spéciaux. Attention, parce que ouais, celui là, le Ute là, là il fait super mal le Ute. Ah ouais? Ouais, bah enfin quand il tape, c'est un tiers de ta vie qui descend quoi. Ah mais là on a trois gros là. Ouais, c'est ça. Alors notre vie, où est ces questions? Parce qu'on voit rien, le problème c'est qu'on voit rien. Enfin, je dis toujours, si tant qu'on tape en fait, il y a peu de chances qu'ils arrivent à nous taper puisqu'ils vont être dans les vapes. Enfin, ils vont être stun. Donc là on est bien, on est à 100%. Ça permet de rester comme ça là pour le boss là parce que. Oh putain, il t'a mis un coup hors l'écran, ce que je t'ai dit. Ouais, tiens, va le terminer l'autre là. Alors. Oula. Il va te mettre un coup. Il va te mettre un coup juste après l'animation. Ok. Attention! Quand il se relève, on se casse, on saute! Non, derrière! Mais j'ai pas eu le temps! Saute carrément! Saute comme ça! Ouais! Casse-toi! Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? En fait, il est infaisable parce que. En fait... Ah, mais c'est mort, là on va s'allonger tous les deux! Ah, ouais, direct, ouais! Non, mais laisse tomber! Là, on s'est fait prendre, mais à droite, à gauche! Donc voilà, donc quand on met un coup, parce que là, il faut sauter, il faut se casser! Alors, il faudrait qu'il y en ait seulement un ou deux qui reste dessus, en fait! Ouais! Comme ça, au moins, voilà, l'autre, il s'occupe des pirates qui arrivent! Là c'est les premières difficultés. On est en normal, je vous rappelle les vieux. Hein, et je crois pas qu'on est forcément mauvais, mais bon, en tout cas on donne des baffes. Il n'y en a pas un qui doit tomber là du mal. J'ai les dames. Là. Oh, putain, non, c'est... putain, il m'a projeté. Il m'a projeté. Il a pas mis de coup, mais il m'a projeté. Faut lui foncer dedans, c'est pareil, faut le foutre par terre. Le problème c'est ouais, non, faut pas le foutre par terre parce que si on le fout par terre, il va se relever, il va mettre encore plus de coups. Pas où il va lui. Le tonneau, on y a toujours accès au tonneau, au fameux tonneau là de vie. Ouais, je crois à chaque partie. Que... Ouais. Non, mais toujours accès quand on fait le boss. Parce que sinon on le garde en fait pendant qu'on fait le boss. Tu vois, ça nous évitera de. Ça nous ferait une vie supplémentaire parce que c'est. Putain, il t'a mis un coup. Oh. T'as tranché la gueule là. Tu l'as pas venir, c'est pas. Ouais, c'est les avoir. Ah, c'est vrai que c'est bien fait parce que tu vois, on s'attendrait à ce que la galère soit plutôt grande. En fait, elle est relativement petite. Enfin, elle est à taille normale en fait. Parce que des fois, tu sais, il y a 10 mâts. Par contre, il y a 10 mâts, c'est débile. Enfin, c'est, oui. Sens. Là, au moins, il n'y en a qu'un. Oui, non, c'est le bateau pirate. Je pense que le tonneau reste où il est. Hein. Ne lâche pas le tonneau parce que je pense que la bouffe elle va rester trop tard. C'est pas moi. Non, c'est moi qui l'ai dégagé. Attends, essaye de te prendre le plus tard possible. Tant qu'il clignote pas, tu vois, t'attends. Parce que là, vu ta vie, de toute façon, ça serait très con de le faire. On sait jamais qu'il redescend entre temps, tu vois. On a raté le Ute, là. Bon. C'est bon. Le Ute est laté. Ok, c'est bon. Il n'y a plus que. Bah, si, il reste un gros en haut, là. Non, c'est bon, il est mort. Le steak reste, non. Hein, t'as vu.
Il a, ah ouais. Visiblement, il reste à l'infini, donc ça c'est bien. Là, je suis sur, lui. C'est bon. Voilà. Donc là, il est vers le capitaine. Allez, voilà. Alors. Je vais commencer par le taper. Ok. Saute. Tu sautes. Il attaque. Non. Voilà, et là je saute. Tu vois. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Hop, et on saute. Tiens, regarde sa vie déjà, elle est déjà rendue, tu vois. Bon, elle est déjà perdue un peu, elle est pas perdue énorme, mais. Et on saute. Putain, il faut sauter, tu vois, quand il fait ça. Saute, il est par terre, ta vie. Va prendre la vie. Ouais, mais en fait, je sais pas ce que toi tu fais en fait. Mais moi, je saute. Faut que tu manges le steak là, Non, fais attention, ta vie. Voilà. Va derrière. C'est bon, tu l'as pris. Nickel, parfait. Ouais, bon. Et là, on est bien, là, on est deux, tous les deux à fond. Voilà. Oh putain, j'avais pris un coup par contre parce que j'ai pas vu qu'il était par terre. Et là, on saute en arrière. On va la voir comme ça. Putain, mais par contre, c'est pas que c'est mal fait. Putain, il y a un coup qui m'a laté là. Oula, putain, le salaud. Attention, il est par terre, saute. Tu vois, merci. C'est bien. Alors, on va la voir, il est presque mort là. Ah, c'est bon, il est mort. Voilà, plus qu'à faire ses copains là qui arrivent là. Putain, avec notre vie là, ça va aller quand même. Attention, il y a un gros qui est derrière. Voilà. Bon, c'est bien passé là, tu vois. Ouais. Donc c'est bon à savoir que les steaks, quand ils restent par terre, mais en fait, ils ne se périment pas, ils ne disparaissent pas. Mmh. Quelle chance, Obélix, ces pirates venaient tout juste de pêcher du poisson. Bah voilà, prenez-moi les. Tu passes à X, il faut toujours joindre l'utile à l'agréable, je confirme. A Mariusque ad Mare. Ça veut dire quoi ça en latin? A Mariusque ad Mare, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça va, on le saura. Un homme à la mer. Ah, peut-être. Et ben voilà, nouveau record. Mais en même temps, c'est la première fois qu'on le fait, donc c'est normal. Bien! Un peu tendu, on l'a refait trois fois, mais bon, en même temps, c'est que même pas 5 minutes à chaque fois, donc ça passe. Nos deux amis reviennent au village. Retour au village. Notre partie de pêche est terminée, bonne mine. On t'apporte une pleine cargaison de poissons frais et les sangliers sont déjà rôtis. Je commence à avoir faim, moi. On se calme, les enfants, on passera à table quand je l'aurai décidé. Encore un peu de patience, mon bon Obélix. Oui, je sais, tout vient à point, gna. Le début d'une journée, on dirait Kaya, est interrompu par l'arrivée bruyante d'un char de course. Voilà, ça c'était le sage, je pense que c'est l'acte suivant, ça. Le char de course, à mon avis, c'est Astérix chez les Normands. Et mes amis, je vous présente mon neveu Goudurix, qui arrive de Lutèce. Salut les provinciaux. Bon, mon frère Océanix nous l'envoie aux vacances, avec une mission pour nous de l'endurcir un peu. Ne t'inquiète pas, Abra Coursix, notre chef, quand on aura fini avec lui, il chassera le sanglier à coups de poing. Ah, il y a une autre méthode. Mais c'est que je viens en vacances. Goudurix. Eh bien justement, Goudurix, allons d'abord à la plage. Voilà, acte 2, Astérix et les Normands. Donc quoi, tu vois, j'avais raison, hein, c'est... Ça se fait donc nickel. Eh bien c'est parti, on continue. Ce qui est dommage, c'est que Astérix chez les Normands, justement, il présente Goudurix, qui en fait vient de Lutèce, qui n'a rien à voir avec les Normands. C'est pas grave. Oui. Et ben c'est parti pour la découverte des vivifiantes côtes armoricaines. Allez, on va faire une course. Le dernier rocher, c'est Jules César. Mais il pleut. Pas du tout. En Bretagne, il pleut. Ici, c'est juste un peu humide. Et quand il parle de Bretagne, il parle de Grande-Bretagne. Il parle pas de Bretagne en France. Je précise. C'est que j'ai mes chiffres en main à réviser. Ah, les jeunes de la ville, toujours sur leur tablette. Effectivement. Ça va faire du bien, Goudurix. Allez, 1, 2... Et 3. Faut qu'on fasse la course tous les deux. Oui. Et tu sais pas comment je fais, hein. Ah, j'ai mal au poignet, j'ai une faiblesse. Tu triches, je savais pas du tout ce que tu faisais. Bah, il y avait un symbole, disons, d'appuyer. Mais j'ai pas du tout tité, moi. Non, mais c'est parce que t'es nul, c'est tout. C'est une nouvelle danse lutétienne. Non, le navire, là, c'est un drakkar normand. Les Normands sont terribles. Des pirates assoiffés de sang.
Un traqueur normand. Encore des pirates? Chic chic. Waf waf. Ah, c'est donc ça qu'on appelle un drakkar de touristes. Allons voir ce qu'ils veulent. Mais... D'accord. Oui, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il fallait continuer la course. J'ai cru que c'était un peu buggé aussi, moi. Après ce petit échauffement, Astérix et Obélix partent voir ce que veulent ces Normands. Ces Normands. Tu vois la tête des Normands, ça fait peur, hein, quand même, pour des Normands. Hein. Ah, mais il y a cela, lui. Il vient avec nous. Un poisson dans les parages. Allez, viens. Tu sais, moi, je préfère les sangliers. Sûr qu'il n'y a pas sûr. Putain, je comprends plus que toi. Oh putain. Ah, on peut non plus les choper, tu vois. Attention aux oiseaux. J'ai besoin d'un peu d'énergie. Putain, il ressemble à rien, c'est normal. Là. Il faut leur dire que l'armorie... Oh putain, le jumeau, le fort jumeau. Putain, deux, ils se détriplaient. Putain. Tant qu'ils viennent que en petit nombre comme ça, c'est pas un problème. C'est vraiment le grand nombre, hein, le problème. Oui, je sais. C'est bien. C'est ce que je dis justement depuis le début de cette série. Parce que j'ai l'impression. T'as vu, idiot, toi qui disais que les Normands, ils étaient pas forcément super costauds. Ah non, 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 pas du tout. Bah, je trouve en tout cas que dans, ici, ils sont bien représentés, ils sont bien costauds quand même. Ouais, ouais, ça c'est la vision de. De la BD, ça. Oh, bon. On m'a poussé. Ouais, je sais pas si t'as pris cher. Hein. Non, je me fais les regrouper justement, je les ai jetés justement pour qu'ils puissent se regrouper, qu'on puisse les taper, tu vois, à deux. C'est la petite technique aussi, c'est de les rassembler, comme ça quand ils apparaissent à droite et à gauche, on met tout à droite ou tout à gauche, tu vois, et comme ça on est tranquille, quoi. Ouais. Je pense que ça évite justement la merde. Halte au grabuge, cours Vanis. Vous ne voyez pas que nous sommes occupés, attendez votre tour. Bah, je crois que c'est déjà leur tour. Tu m'en laisses, hein. Ouais. C'est attends, j'en jette des projectiles. Attends, il reste plus de projectiles, attends. Ah, c'est moi. Attention, lance. Ah, tu l'as pas vu, la lance. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai vu passer discretos entre les bang, boum et voilà. Le fric, toujours le fric. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, on peut pas aller en bas. Je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas la mer. Regarde comme c'est beau. Voilà, le fric. Super important, le fric. C'est Sterce. Ouais, ils sont bien, tu vois, ils sont bien stackés comme ça, du coup ça multiplie les coups. Quoi. C'est vrai que super important. Ah ouais, c'est salade de baffes là. Bah oui, voilà, tu vois, on a même pas le temps de voir les baffes. C'est ça peut-être la stratégie, la bonne stratégie, plutôt que de les taper un par un dans tout l'écran, on prend des coups. Tiens, toi, là, il faut des projectiles, attends. Un deuxième, tiens, toi là, ici. Ouais, je t'en laisse un. Ah, ah non, tu dis, prends pas de coups. Hein. C'est des bons projectiles, les Romains, quand même. Je crois que je manque d'énergie. Mais tu vois, entre les Normands et les Romains, hein. Ah, ouais, c'est parfait, nickel. Bien vu, tu vois, je serais passé à côté, un peu plus. Ça consomme énormément d'énergie ce que je viens de faire là, de le jeter là. Enfin quand tu le gardes en fait. Et toutes les secondes t'as un éclair qui disparaît de ta part d'énergie. Ouais ouais. En voilà encore d'autres. Ouais non, ça masse de mon côté que je voulais le jeter. Excuse-moi du coup. Bon ça va, franchement ça se fait bien en fait. Hein. Il faut juste, ouais. Tu vois, ne pas avoir trop à droite et à gauche. Quand t'as compris ça, en fait, ça va beaucoup mieux. Hein. On se prend quand même des coups, mais tu vois, ça va. Olaf, grosse baffe. Ça va bien, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bruit par Odin? On ne peut même plus manger tranquillement sans sanglier à la crème. Sanglier à la crème? Ils ont tous une cuisine différente du sanglier. Hein. Pourquoi débarquez-vous ici, Normand? Eh bien, nous sommes venus en Gaule pour apprendre à la peur. Il paraît qu'on donne des ailes. Ainsi, nous pourrions voler.
qu'elle donne les ailes. Attendez, si nous vous apprenons la peur, vous partez, je pense avoir ce qu'il faut au village. D'accord, mais nous gardons celui-là en attendant votre retour. Mais... Allons, Goudurix, un peu de courage, ce ne sera pas long. Ah, et victoire. Et voilà, encore une victoire de... Non, d'accord, ça marche pas avec toi. Il n'y a que Farah qui sait ça. Bon, est-ce que je te propose qu'on se laisse ici? Oui. Pour cet acte normand. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. C'est normand. Et le trou normand. Donc... Oui, le trou normand, oui. Enfin, je sais pas si c'est trop normand. Enfin, ouais, non, faut voir. Peut-être à la fin de l'acte, peut-être, le trou normand, pas avant. Ok. En attendant, ce sera la tarte normande. C'est plutôt ça qu'on va faire. Bref, on va se laisser et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.